Salut à tous, footeuses et footeux d'hommes famille, c'est Thomas. Ça y est, on connaît le tableau des huitièmes de finale de cette CAN 2019. Je sais que vous attendez tous ça avec impatience. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, encore une fois, de ce que vous en pensez de cette CAN, peut-être des potentiels favoris, des surprises, encore une fois. On va voir ça ensemble, mais d'abord, on va voir les six groupes qui sont donc terminés avec le groupe A, donc la qualification de l'Égypte avec 9 points. Il n'y a que 3 équipes à avoir 9 points, Maroc, Algérie, Égypte. C'est comme une bonne performance, à voir s'il y a des tenants aboutissants ou pas, on verra. Ouganda, donc surprise mine de rien, 4 points. RDC, donc dans les 4 meilleurs 3e, on va venir à ça, donc RDC qualifié, Zimbabwe éliminé. Donc encore une fois, 3 qualifiés dans cette poule, les amis. Le groupe B maintenant, avec donc Madagascar, la surprise évidemment, les Baréa qui ont été chercher leur qualification, leur première participation à une CAN, ils se qualifient en 8e, c'est juste dingue. Nigeria, donc 6 points. Guinée, donc meilleur 3e, truc de ouf, avec 4 points. Et Burundi éliminé. Le groupe C maintenant, les amis, avec évidemment l'Algérie, donc 9 points, comme je vous disais, plus 6, donc grosse attaque évidemment. Sénégal, 6 points, plus 4. Le Kenya, donc éliminé malheureusement avec un goal average négatif, on verra ça ensemble encore une fois. Et la Tanzanie, 0 points et moins 6. Tanzanie a été très très décevante et cumulé beaucoup de fautes dans ses matchs, notamment contre l'Algérie et contre le Sénégal. Le groupe D maintenant, avec le Maroc, dont 9 points, plus 3, donc attaque un peu mi-fig mi-raisin, mais ça passe quand même pour les hommes d'Hervé Renard qui ont vraiment un jeu de possession assez intéressant. Côte d'Ivoire, grosse attaque hier évidemment contre la Namibie, et c'est ce carton avec 6 points et plus 3. Afrique du Sud, donc qualifié, parce qu'un goal average est petit, donc les Bafana Bafana, les hommes de Stuart Baxter sont qualifiés, on verra contre qui les amis, et Namibie 0 points, voilà le groupe D. Le groupe E maintenant, groupe qu'on a vécu aujourd'hui, E et F, avec le Mali 7 points. Les Aigles du Mali qui ont gagné 1-0 sur un petit score, hein, Gola et le but d'Aïdara, mais c'est suffisant pour avoir 7 points. Tunisie, donc grâce à ce but, la Tunisie donc du Mali et ce match nul évidemment est deuxième du groupe. Mauritanie qui n'a pas démérité, Angola donc qui était éliminé avec 2 points et moins 1 pour les Antilles noires. Et Mauritanie donc... Voilà, donc franchement, et Morabitoun ont fait une première participation et les hommes de Corentin Martins ont été vraiment très très bons, très très séduisants. Donc voilà, 2 points pour la Mauritanie qu'on a hâte de revoir dans une prochaine CAN. Le groupe F, le groupe du Cameroun, tenant du titre évidemment, qui a soulevé cette coupe hein, au Gabon en 2017. Donc le Ghana qui sur le fil avec cette victoire contre la Guinée-Bissau, donc passe premier du groupe avec 5 points et plus 2. Donc Cameroun égalité, mais voilà, différence des partages avec du fair play, donc 5 points et plus 2 pour le Cameroun. Bénin, donc qui se qualifie aussi dans les meilleurs 3e, dans les 4 meilleurs 3e, avec donc la République démocratique du Congo, le Bénin et l'Afrique du Sud, encore une fois. Et donc la Guinée-Bissau, donc 1 point et moins 4. Donc ouais, donc la Guinée-Bissau, les jours tout, on fait une bonne CAN, mais un petit peu tombé dans un groupe assez difficile. On passe maintenant évidemment au tableau final. Tableau que vous attendez tous évidemment. Avec donc les différents 8e de finale. Vous mettez vos favoris et même pourquoi pas des pronostics jusqu'à la finale qui sera ici, derrière moi. Donc vendredi, on commence à 18h avec un Maroc-Bénin qui va être incroyable. Maroc-Bénin, incroyable les amis. On enchaînera à 21h avec un Ouganda-Sénégal. Mettez vos favoris. Deux grosses affiches, mine de rien. Le lendemain, donc, Nigeria-Cameroun. Pareil, chaud bouillant. Super Eagles contre les Lions indomptables. L'Égypte, donc le pays hôte, qui a gagné 3 des 4 CAN qu'il a organisé. Il totalise 7 Coupes de Fédération au total. Rencontre l'Afrique du Sud. Le 7 juillet à 18h, il y aura donc le match un petit peu surprise entre Madagascar et la RD Congo, évidemment. La République démocratique du Congo. Donc mettez vos favoris aussi. 21h, un très intéressant Algérie-Guinée. Les Fennecs contre le Sili National. Match vraiment intéressant à voir. Le lendemain, 8 juillet, donc il y aura à 18h un Mali-Côte d'Ivoire bouillant aussi, franchement les amis, et un Ghana-Tunisie, tout somme intéressant, qui va être vraiment intéressant. Donc encore une fois les amis, vous mettez vos pronostics dans les commentaires, c'est intéressant de voir vos avis, faites un petit jeu entre vous, évidemment je réponds à tout le monde, c'est assez intéressant, et comme ça on verra ce qui se passera en quart, demi, et la finale, et la troisième place qui sera évidemment derrière moi. Allez, je vous kiffe de ouf, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne évidemment, ça monte de ouf, et franchement je vous en remercie, je vous kiffe de taré, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, et le petit like qui va bien pour récompenser tout ce magnifique travail pendant la CAN depuis le 21 juin avec ce Égypte Zimbabwe. Je vous kiffe de ouf, je vous laisse et vive vous, j'ai envie de dire, bah, carrément. Allez, salut, 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 et salut, ciao.